revoit l'attitude de Marthe Holzbu-Reuseland à l'image, qui avait décroché une médaille de bronze la saison dernière sur les championnats du monde ici à Antholz. Le bronze, évidemment, sur l'individuel, vous l'aurez compris, elle avait signé un 18 sur 20. On a suivi en double fenêtre le départ d'Anaïs Chevalier-Boucher. Une course importante donc pour elle, une course qui fait la part belle aux bonnes tireuses. Elle est allée réparer sa carabine, Alexis, si vous n'étiez pas avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous pendant l'avant-course, la carabine d'Anaïs a bien été réparée. Allez, celle qu'on attend beaucoup pour l'équipe de France, c'est elle, Anaïs Chevalier-Boucher, avec sa nouvelle hausse, c'est-à-dire son nouveau viseur. On espère que tout va bien se passer pour elle. L'entrée en matière est parfaite pour Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est arrivée sur le pas de tir avec de l'avance. Et en plus, elle va ressortir sans aucune minute de pénalité ajoutée. C'est un sans faute. La championne olympique en titre de cet individuel. La voici, l'Autrichienne que vous attendiez, Alexis. Lisa Teresa Hauser sur son premier tir. Yanina Etich sur son deuxième tir. On voit que ça réaccélère. Hein. En tout cas, Lisa Teresa Hauser est passée plus vite que les Norvégiennes. Anaïs Chevalier-Boucher également, et Dorothea Wierer. Là aussi, elle est dans les tout premiers temps des premiers intermédiaires. Vous le voyez, Hauser vient de réussir un sans faute, donc elle va ressortir à peu près dans les temps d'Anaïs. Course, le retour d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui elle a parfaitement réussi un 5 sur 5. Ici même, un 10 sur 10, Anaïs Chevalier-Boucher, rien à dire. Elle est là sur ce début de course, Anaïs, bien concentrée, extrêmement appliquée. Et attention à cette fille-là également, qui est entrée avec 8 secondes d'avance sur le meilleur temps, sur le pas de tir, Lisa Teresa Hauser. C'est vrai qu'on voit un duel se dessiner là, entre Lisa Teresa Hauser et Anaïs Chevalier-Boucher. Est-ce que l'une va laisser un peu de marge à l'autre? Non, pour l'instant, on va rester sur une course extrêmement serrée entre toutes les deux. Allez, Anaïs revient à nouveau pour un tir couché. Tête de cette course en allant chercher le 15 sur 15. Elle décide de faire quelques pics pour régler sa carabine sur sa nouvelle hausse. Jouer la gagne, au moins le podium, Anaïs Chevalier-Boucher sur le dernier tir. Lisa Teresa Hauser, l'adversaire du jour de Anaïs Chevalier-Boucher. Elle aussi s'avance sur le pas de tir pour essayer d'aller chercher le 15 sur 15. Ouais, pour ce combat à distance tout à l'heure, Lisa Teresa Hauser, après le deuxième tir, elle était sortie avec 10 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Et eh bien, elle n'aura désormais plus d'avance puisque vous l'avez vu de façon automatique. Une minute de pénalité s'est ajoutée à son chronomètre après cette erreur. Ouais, ça va donner de l'air, Anaïs, car on le voit, l'Autrichienne est plus en ski. Avec cette pénalité, ça peut changer les choses, mais on le rappelle, hein, elle peut encore jouer un 19 sur 20, Lisa Teresa Hauser. Et Anaïs Chevalier-Boucher, même si pour l'instant elle est en tête, elle l'a pas encore fait ce 19. Il est là à l'image. Allez, Anaïs, qui va jouer la victoire clairement sur ce dernier tir. Mais par contre, on le sait, il faut aller chercher un 20 sur 20. Et donc ne commettre aucune faute sur ces 5 dernières balles qu'il lui reste à tirer. Sur 20, mais un incroyable 19 sur 20 dans cette course pour Anaïs Chevalier-Boucher, qui va donc ressortir en tête. Lisa Teresa Hauser pourrait peut-être reprendre la première place provisoire si elle va chercher 5 sur 5.
Elle n'a jamais fait mieux qu'une troisième place, Lisa Teresa Hauser. Et là, elle signe un très beau 19 sur 20 qui pourrait lui offrir mieux que ça. Quel cap elle a passé l'Autrichienne cette saison. Et Aitit qui va passer en tête, c'est là qu'on se rend compte que finalement, ça va peut-être pas le faire pour le podium pour elle. Elle est désormais troisième à la sortie du quatrième tir, car Anaïs et Lisa Teresa Hauser viennent de lui passer devant. C'est Lisa Teresa Hauser qui ressort avec 41 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Yannine Aitit, elle, est troisième à 1,10 de l'Autrichienne. Elle n'y était pas sur ce dernier tir. Allez Anaïs, il faut s'arracher, essayer de reprendre du temps sur Yulia Dzima qui lui met la pression. Alors Yulia Dzima, c'est un peu dur de tout comprendre, elle est derrière en termes de dossard, mais en même temps elle est juste devant en termes de place sur les différents intermédiaires. Donc il faut que Anaïs soit forte dans ses derniers 500 mètres. On voit qu'elle est en train de perdre un peu de temps sur l'Allemande. C'est dur là cette fin de course pour Anaïs. Allez, Yann Dikone qui l'encourage là dans les derniers mètres. Derrière, on va basculer sous la passerelle et aller en direction de la ligne d'arrivée. Allez, c'est là, il faut faire une belle relance, Anaïs. Pour l'instant, ça tient pour le podium d'Anaïs, mais je vous le rappelle, hein, Yulia Dzima et Lisa Teresa Hauser risquent de passer devant. Donc ça veut dire qu'elle sera sur ce fameux siège éjectable de la troisième place provisoire. Elle, par contre, elle a l'air solide. Hein. L'Autrichienne, elle fait une sacrée course. Alors oui, un 19 sur 20, c'est pas un 20 sur 20, mais quand même, elle semble costaud de partout. Elle est rapide sur les skis, elle était rapide sur le pas de tir. Allez, Anaïs qui va se diriger en direction de la ligne d'arrivée. Avec quoi qu'il arrive, une belle course, ça c'est certain. Est-ce que ce sera un top 5 ou un podium? On attendra quelques minutes pour le savoir, tout donner. Derrière, dernier virage, on va en direction de la droite. Dernière ligne droite pour aller couper le chrono une bonne fois pour toutes pour Anaïs. En tout cas, il fait du bien ce 19 sur 20 après le 10 sur 20 seulement sur la Mastart. Dû, on vous le rappelle, à un problème technique. Anaïs Chevalier-Boucher montre qu'elle est bien là pour l'instant. Le temps de référence qui ne va pas tenir bien longtemps en arrivant à l'arrivée, notamment de l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser. Mais Anaïs Chevalier-Boucher, avec ce 19 sur 20, réalise une très très belle course. La voici, l'Autrichienne, et elle a plus d'une minute 15 pour aller chercher la ligne d'arrivée. Vous l'aurez compris. Elle va la gagner, celle-là, certainement, Lisa Teresa Hauser. Alors, on va quand même surveiller qu'il n'y ait pas un 20 sur 20 qui arrive en fin de course. Mais quand même, elle a été extrêmement solide. Et derrière, on voit que Yulia Dzima la tient, la deuxième place sur l'intermédiaire. Elle est toujours bien placée à 14,7 km avec 20 secondes d'avance sur Anaïs. Seul 20 sur 20 pour l'instant de cette course après 46 biathlètes qui sont passés à l'épreuve de ce quatrième tir. Yulia Dzima, le 20 sur 20 et qui va pouvoir s'intercaler entre Lisa Teresa Hauser et Anaïs Chevalier-Boucher. Et oui, comme souvent, la dernière semaine avant les championnats du monde, le réveil de l'Ukraine qui vient se replacer et qui vient confirmer qu'il faudra compter avec eux à Pokljuka, notamment sur l'individuel avec Yulia Dzima qui a fait depuis quelques années une spécialité de cette course et qui est là, elle le confirme avec un 20 sur 20. Elle est...